Raoul Torres et du vent offshore ce matin sur la canoë. Bonjour à toutes et à tous et bon dimanche. Un dimanche qui commence à la fraîche, 2 degrés dans l'air, ressenti 0. Dans l'eau, c'est un peu plus doux, c'est 12 degrés, un gros 11. La marée est en train de finir de monter, le plafond est à 8h50 avec des coefficients de 63. Sur cette pleine marée haute, le vent offshore s'est renforcé à sud-est, modéré. Il y a deux beaux forts établis, des rafales à 3, le plan d'eau est ridé, les phases de vagues sont lisses, là où les propres et longues avec 14 secondes de période, orientées ouest-nord-ouest à ouest. Une houle qui est relevée sur la bouée Arcachon-Gascogne en retard et moins consistante que prévu. Tout à l'heure, elle tournait à 2 mètres et 7 à 8 secondes de période, ce qui donne en termes de taille de vague à la canoë ce matin 1 mètre en déferlement régulier, 1 m 20 à 1 m 30 sur la majorité des séries. Et vous allez voir un peu plus tard les premières séries qui rentrent à 1 petit mètre 50. Donc des vagues qui sont très jolies, très mignonnes, mais qui ferment énormément, à part sur les meilleures bandes de sable, et même sur les meilleures bandes de sable, c'est très aléatoire. Et c'est comme hier, quoi. Ça ferme gavé. Il y a déjà une personne à l'eau, les séries sont hyper espacées, la houle est vraiment pas consistante, puissante. C'est à pratiquer pour des surfeurs intermédiaires. Il y a d'autres surfeurs qui checkent les conditions. Il y a quelques goûts à attraper, mais attention, les trois quarts des vagues ferment et de temps à autre, ça ouvre un tout petit peu. Donc c'est vraiment pas terrible, c'est offshore pourri. L'évolution pour le reste de la journée, au dernier check, la bouée Arcachon-Gascogne est montée une seule fois à 2,20 m et 9 secondes. Sinon, elle continue de tourner à 2 m, 8 à 7 secondes de période. On va voir un train d'houle qui va légèrement grossir à la mi-journée, légèrement se tasser cet après-midi. Pour ce qui est du vent, il est attendu offshore toute la journée, mais méfiat cet après-midi. On attend une température dans les 16 degrés, on peut peut-être avoir un vent qui tourne plutôt de mer. Les prévisions donc à 9h, c'est 1m20, 1m50 ou ouest-nord-ouest à ouest, 14 secondes de période, vent est-sud-est, tout tri. À 13h, ça grossit dans la matinée vers 1m50, peut-être qu'il y aura quelques séries au-delà. Ou ouest-nord-ouest à ouest, 14 secondes de période, vent est-sud-est, 1-2-1-2. Et à 17h, légère baisse, 1m20, 1m50. Houle qui passe dominante ouest à ouest-nord-ouest, 13 secondes de période, bon, est-sud-est, one-two. Là, on voit la série qui rentre à 1m50, c'est la première de la matinée. Bah donc, pour surfer, bah, le meilleur créneau, il est ce matin, hein, parce que c'est là où les vagues déroulent le mieux. Vous allez en voir une assez jolie, peut-être un poil trop rapide, mais assez jolie. Bon, il y a des bouts à attraper. Même à marée basse, ça sera assez fermant, comme là. Donc, on peut surfer à marée basse aussi, si on aime les vagues qui ferment. Mais sinon, c'est du gâchis de vent offshore. Et comme il y a des petits coefs et que la marée est basse à 15h cet après-midi, ce soir, pour retrouver assez d'eau pour se caler une session comme hier soir, ça va être un peu juste. Je crois que celle-là, là, elle est plutôt jolie, mais je crois un tout petit peu trop rapide. Voilà, gâchis de vent offshore. Prochain point, 11h. Thank you.